C'est la journée mondiale pour l'élimination des violences faites contre les femmes. Cette journée est passée sous silence ou presque au Gabon. Mais le front des indignés a saisi cette occasion pour dénoncer. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée internationale des violences faites contre les femmes. Le front des indignés salue cette initiative et invite les femmes à méditer sur les multiples violences dont elles sont victimes et exhorte les femmes de briser le silence pour être les acteurs de leur propre destin. En effet, le Front des Indignés a mené des actions concernant les violences physiques et verbales contre les femmes commerçantes dans les marchés. Pour la mémoire, nous n'oublierons jamais nos mères et sœurs commerçantes de la gare routière violentées par la police. Ils n'ont pas touché l'angle là, là où nous sommes là. Ils n'ont pas touché. Parce qu'on nous avait mis là, parce que nous sommes des responsables. Nous avons des familles. Nous sommes allés pleurer à l'hôtel de ville et le maire nous a accordé cette place-là pour qu'on vende, pour qu'on puisse vendre là. Elle, Aminata Ondo, femme et mère, appelle les autres à plus de solidarité. Cette journée doit être aussi une opportunité pour les femmes de se parler, de s'écouter, quel que soit son milieu social, professionnel et politique, car nous restons d'abord des femmes. La femme est l'image de l'humanité, c'est elle qui enfante, élève et éduque. Elle doit être respectée, protégée, car battre une femme, c'est violenter l'humanité. Cette femme et mère fait partie des femmes qui avaient été en novembre 2015 menottées et traînées toutes dénudées dans un centre de police de Libreville, dont la vidéo avait fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais victime, donc en tout cas, parce que la plupart, la plupart de tout le monde connaît ce que les femmes, à l'heure actuelle, ce que nous vivons, ce que les femmes vivent sur la violence faite aux femmes, surtout ce que les agents, les policiers nous font, surtout les femmes. Donc j'ai vraiment un mot directement annoncé au gouvernement. S'ils peuvent vraiment avoir la crainte de Dieu sur cette violence contre les femmes. Elle dit craindre Dieu et appelle les gouvernants au respect de la femme. C'est l'État qui peut vraiment nous encadrer la femme. Parce que la femme aujourd'hui, c'est la femme qui donne la vie. Mais quand cette femme, elle est maltraitée, c'est la vie qui est maltraitée. Donc, je demande à l'État de voir cette manière de faire. S'ils peuvent, je dis, sensibiliser leur agent, leur corps habillé, de changer un peu leur manière de brutaliser les femmes. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que moi aujourd'hui, j'ai un enfant, seulement comme je crains trop mon Dieu, seulement mon Dieu qui peut me relever mon enfant aujourd'hui, qui est encore allongé, elle a 2 ans, elle ne peut rien faire par rapport à cette violence. J'ai un enfant aujourd'hui qui est allongé, elle a 2 ans, elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut rien faire. Donc je vous remercie vraiment pour une fois de plus vraiment de me prendre à l'écran par rapport à cette violence contre la femme. Je répète encore, je demande encore, je supplie l'État de voir cette manière qu'on traite la femme. C'est pas bon. Pour elle, maltraiter la femme, c'est maltraiter la vie. C'est pour elle un manque de respect à la mère allaitante, un des symboles de la République gabonaise. Nous sommes en plein marché de Nzaïan Dragage, dans le 6e arrondissement de Libreville. Ici, l'indignation ne se fait pas prier pour dénoncer les violences faites aux femmes. Jamais, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est vraiment insensé. Parce qu'une personne qui a un grand cœur ne peut pas, en aucun cas, peu importe le problème qui peut arriver. Je ne vois pas ces derniers entre les deux amis, les mamans, sachant bien qu'ils ont des mères, des familles, ils ont des sœurs, ils ont des nièces, etc. On en passe. Mais vraiment prendre le courage de mettre les mamans nues et les filmer,
vraiment c'est insensé. C'est vraiment insensé. Ça, ce sont des démons incarnés. Ce sont des démons, sincèrement. Et pour que la gare aussi, là où les mamans étaient nues, les mamans étaient déshabillées, on les a déshabillées. Apparemment, personnellement, pour moi, je trouve que ça, c'est une chose insensée. Et pour le pays, c'est pas bon. Pour les pères des familles et les mères des familles qui ne doivent pas se comporter ainsi. Hommes et femmes restent sur la même longueur d'onde et dénoncent. Voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne durent plus longtemps sur Terre. Ça fait ce genre de choses. Beaucoup ne durent plus sur Terre. Parce qu'une telle diverse personne comme moi, je vois que mon parent a été vraiment parmi ces femmes, ces moments-là, vraiment non. Sincèrement, j'irai jusqu'au bout, même s'il faille aller dormir avec le diable, je le ferai. Ça, c'est des choses non acceptables. Et c'est pas normal. Vous avez les familles. Nous tous avons aussi les familles. Moi, je préférerais que non, une mère d'enfant, père d'enfant, on le déshabille nu comme ça, à poil, déposé au sol, qui a toute une famille, et c'est les choses de la honte. Moi, je n'ai pas accepté ça. Le Front des Indignés, mené par Aminatou Ando, dit ne ménager aucun effort pour soutenir les victimes des violences dans toutes ses formes. Il demande au gouvernement gabonais d'appliquer les textes de loi pris par eux-mêmes afin de protéger les victimes. Les enfants du Centre Arc-en-Ciel et Espoir du Gabon ont tenu ce mercredi 23 novembre à rappeler au monde entier qu'ils ont les droits. Ils appellent à leur valorisation et surtout à leur respect. Depuis le 20 novembre 1989, la Journée internationale des droits de l'enfant a été déclarée. Est-ce enfant que le Centre Arc-en-Ciel et Espoir ne manque pas de marquer chaque année? Ce test est très important, mais pas suffisant. Il reste beaucoup à faire pour faire les droits des enfants une réalité. Les droits sont réels, que dans la mesure où ils sont mis en pratique. Pour les enfants comme pour tous. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques, ces créatures du Centre Arc-en-Ciel et Espoir de Libreville demandent à participer à la construction d'un monde meilleur où ils peuvent s'épanouir librement. Cette convention qui est traitée internationale le plus ratifié en matière de droits de l'homme définit une liste des droits de l'enfant comprenant le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à jouer, à une vie de famille et à être protégé de la violence et de la discrimination et le faire entendre sa voix. Sur la base de cette convention et des efforts conjoints de l'ensemble des pays et des régions, les centres Arc-en-Ciel et Espoir soutiennent et célèbrent chaque année le droit de l'enfant. Elle affirme cependant qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. J'ai cette activité jusqu'à aujourd'hui en montrant aux gens que les enfants qui ont des droits, que les parents doivent respecter, sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire au niveau de l'arc-en-ciel où nous voyons les psychologues, les assistants sociaux, les éducateurs. Donc c'est toute une équipe et beaucoup de fois nous sommes soutenus par l'UNICEF qui est notre partenaire technique. Donc là, présentement, il est là pour nous aider encore avec la formation, donc aider l'équipe. Avec la formation, nous appelons ça appui technique. Donc, c'est pourquoi nous sommes regroupés aujourd'hui ici avec toutes autres personnes, psychologues, comme je venais de dire.